Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Aujourd'hui, donc, j'ai de nouveau mon silicone pour faire les moules que l'on a déjà fait dans plusieurs vidéos, donc différents moules. Donc, on a fait déjà une figurine Playmobil, on a testé avec des Oreos, donc on a fait déjà plusieurs tests. Donc, aujourd'hui, on va encore essayer tout ça. Et donc là, ce que l'on va faire, ce qui est expliqué, c'est qu'il faut mettre la même quantité de rouge et la même quantité de gris, parce qu'on a deux pâtes qu'on va mélanger. Et alors là, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si on met un peu plus de rouge, par exemple, que de gris. Voilà, donc là, j'ai plus de rouge que de gris, et donc on va mélanger le tout. Et on va voir ce qu'il va se passer. Ok, donc il faut vraiment mélanger tout ça pendant 45 secondes. Ok, donc là ça doit être bien mélangé. Ok. On met tout ça comme ça, bien là-dedans. Et là, notre petit nounours qui était dans un des œufs surprises que l'on a découvert. Et donc, on va s'en servir. On met dedans, donc on laisse bien sécher ensuite. Oh oh. Oh, c'est trop mignon. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, hein. Mais je pense que c'est quand même un petit peu différent. C'est peut-être un peu plus mou que d'habitude. Mais ça fonctionne quand même. Donc j'ai pris de la pâte à modeler femme clé blanche. Et donc on va tester le moule avec ça. Je pense que ça ne doit pas être très grave si on met un peu plus d'une couleur que de l'autre. Mais voilà, c'est juste que l'idéal, ce serait moitié-moitié. En tout cas, c'est cool de tester comme ça, on voit un petit peu ce qui se passe. Ça a fonctionné, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vrai que l'option optimale, c'est d'avoir moitié-moitié, comme ça on a voilà, la texture optimale, on va dire. Donc bien sûr, il faut attendre maintenant, parce qu'il faut que notre pâte à modeler femme clé sèche. Voilà, maintenant c'est bien bien sec, on a attendu bien 2 jours, hein, et on va pouvoir démouler. Oh, ça colle. Et donc on voit bien dans notre petit ours. Voilà, on peut sortir un petit peu le surplus parce qu'il y a quand même des. Voilà, pour les détails. Voilà. Ok. Donc. C'est plutôt pas mal, donc ça a bien fonctionné. Bon, même si c'est un peu plus mou que d'habitude, notre pour le moule.
Donc n'hésitez pas à laisser des idées dans les commentaires hein, si vous avez d'autres idées de moules. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne et on se dit à une prochaine.